Et rien ne te raconte. Non. Vieux frère, ah non. Arrête un peu ta philosophie là. Hein? Raconte-moi les choses. Je n'ai rien à te raconter. Et ton réseau de renseignement peut te faire des rapports chaque fois qu'ils ont quelque chose sous la main. Ne compte pas sur moi, hein, je te dis. Et n'insiste pas. Sabina. J'allais oublier. C'est bien la fin des travaux des champs, c'est la saison, non? Voilà. Tu as droit au repos. Et même moi, tu vois, j'ai aussi droit de me reposer un peu parce que ma tête a beaucoup travaillé. Et je crois que tu peux aller te reposer un mois en ville chez ton frère, puisqu'il nous y attend. Un mois en ville? Ouais. Un mois en ville chez ton frère. Tu vois, comme ça, tu pourras te refaire une beauté. Tu pourras traiter tes cheveux, les défriser. Et puis tu pourras te laver une fois, deux fois, trois fois, six fois dans la vie. Et puis, tu vois, Sabina, quand tu vas revenir ici au village, tu seras une autre Sabina, avec une vie nouvelle, avec un amour nouveau. Et tu vois comment nous allons recommencer une vie de couple, pas comme les autres. Hein? Alors, Karine. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Tu vois, moi j'ai tout raté, j'ai tout loupé. Mm-hmm. La nourriture, la boisson, et même tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Je peux toujours te passer un tueur. Hey, c'est vrai ça. Pourquoi pas? Dis toujours. Tu connais Amélie? Quelle Amélie ça? Amélie, dis donc, toi aussi. La femme d'Annaba. Annaba. Amélie que je connais là. Oui, de mes parents. Ah, caca, non, mais vieux frère, qu'est-ce que c'est que ça? Mais, non. Est-ce que c'est parce que je sors de l'hôpital? Ah. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec une maigrichonne comme Amélie? Tu savais seulement que ce n'est pas d'Amélie que je veux parler. Ah. Tu n'allais pas avoir cette attitude. Non, là, tu me rassures un peu. Enfin, tu connais donc Amélie? Oui. Mm-hmm. Elle a une petite nièce. Elle est venue passer quelque temps chez elle. Amélie l'a amenée au deuil. Il fallait la voir. Je te dis que la fille a ronde. Je dis qu'elle est pétillante comme des coupes de champagne. Aïe, oh. Non, tu... Enfin, elle s'appelle Rose. Tu m'entends ça? Rose. Attends. Rose, tu dis? Rose. Attends, je connais Rose. Si. Quoi? Oui, je connais Rose. Je l'ai vue il y a de cela... 2 ou 3 ans. Mmh. Oui. Elle est venue passer ses vacances ici. Oui. Oh oui. Mais ça me surprend que tu ne l'aies pas vue. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'elle a fait? Enfin,
ce que je voulais te dire, c'est que moi-même, j'ai tâté le terrain. C'était dur, je te dis, dur comme du goudron. Et qui est une véritable coriace. Mais quelque part, je me disais au fond de moi-même, est-ce que mon frère Engan peut venir m'aider ici? Est-ce que mon frère Engan peut venir aussi tenter sa chance? Comme ça, Dieu t'amène chez moi. Bon, je te dis, va tenter ta chance. Parce et que comment moi, avec moi, ça n'a pas marché. Mais et comment donc? Mais je vais essayer. Avec ces rangs-là. Arrête de se moquer de moi. Laisse-nous pas. Non, soigne-toi d'abord. Non, écoute, je t'ai dit que le docteur lui-même m'a rassuré que ça passera très vite. Uh-huh. En réalité, ce qu'il me faut maintenant, c'est de l'exercice. Quoi? Oui. L'exercice? Oui. Ah. Moi-même, une tafile. Enfin, je peux toujours servir de passeur. Hein? Enfin, quoi? Comprends-moi, c'est-à-dire que je peux porter la nouvelle. Rose. La rose, oui, pour toi. Non, c'est pas, ce n'est vraiment pas nécessaire. Tu non, en, non, non, c'est-à-dire, en fait, pour être tout à fait clair avec toi, c'est que nous sommes même déjà en contact. Quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes? Je t'ai dit que nous sommes déjà en contact et justement, je voulais avoir ton aval pour ta petite cabane de la brousse là. Et quand? Hmm? Tu es déjà sur le terrain? Puisque je t'ai dit que nous sommes déjà en contact et même que les choses avancent. Ta fille a échoué. Mon frère. Le gars-ci. Non, tu es déjà là. Mais je ne te cache rien. Je t'ai dit que je suis déjà là. Ah, comme disent les noix là. Mbana Loba. Là alors. Un véritable lion. Non, tu es ce qu'on appelle l'éléphant de la piste. Tu écrases tout. Égard. Non, tu sais, nous allons reprendre les choses en main. Ce que moi je voudrais te dire, c'est que un terfil va offrir une petite bière à Engan. Mais parce que les troncs, rien ne marche après tous les mouvements qu'il y a eu dans le village. Là. Mais je voulais justement te poser la question. J'avais parce que tout négligé, tu sais. Bon, le cœur n'était plus là, il y avait toutes ces colères et machin. Bon, mais qu'à cela ne tienne, allons boire une bière. Enfin, tu pouvais envoyer un enfant, on la boirait carrément. Non, allons au bar du village. C'est chez Martine, hein? Que les gens nous voient encore ensemble. Tu as raison, vieux frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, toque là. Engan. Vraiment. Allons chez Martine.